Bonjour à tous, je voudrais aujourd'hui vous parler de la conscience parce que la conscience, la définition chez Access Consciousness, c'est la conscience inclut tout et ne juge rien. Et donc je suis praticienne des barres et des processus Access Consciousness et aussi facilitatrice, c'est-à-dire que je forme aux barres, au lifting et au processus corporel. Et pendant longtemps, je dois avouer que la définition de la conscience pour moi c'était pas clair, et j'ai dernièrement eu une grande clarté dessus que je veux partager avec vous en fait, parce que avoir conscience parfois peut ne pas paraître comme un cadeau. Avoir conscience, c'est être très consciente de tout ce qui se passe autour de nous, c'est-à-dire que quand vous êtes avec au milieu de personnes qui ont peur, ou même si vous n'êtes pas, je veux dire, collé physiquement à côté, hein, mais que vous êtes connecté à quelqu'un qui a peur, qui est très anxieux, qui est très en colère, et que, par exemple, enfant, vous avez baigné là-dedans, vous étiez là au milieu, vous étiez dans une famille où il y avait peut-être tout ça ou autre chose, et en fait, vous avez cru que c'était vous, en fait, parce qu'en fait, on le perçoit. La conscience, c'est vraiment dans notre corps, donc on le perçoit tellement, tellement, tellement fort dans notre corps qu'on s'identifie à ça. Et il y a vraiment, c'est tout récemment, hein, clairement après la fondation avec Annabelle, là au mois d'octobre, où c'est vraiment devenu très, 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 très clair que il y a encore beaucoup d'endroits où je m'identifiais à mon percevoir. Et c'est vrai que du coup, la conscience, ça peut paraître très très lourd, parce qu'on dit mais je suis tout le temps, j'arrive dans un endroit, je suis pas bien, je suis toute contractée, je suis, donc je ne suis pas, je perçois seulement. Et aujourd'hui, je vous inviterai à recevoir vraiment beaucoup beaucoup les barres, parce que moi je les reçois toutes les semaines, et je crois que ça m'a donné énormément de clarté de regarder tout ça, c'est-à-dire que maintenant, quand je suis quelque part et que je perçois très intensément, j'ai tout de suite la clarté que ça n'est pas moi, ça ne m'appartient pas. Et donc du coup, je ne m'identifie plus. Donc je sais que par là, il y a telle énergie, que par là, il y a telle énergie. Alors après, je peux choisir où j'ai envie d'aller, où est-ce que je vais créer, où est-ce que... ça m'a donné tellement de lumière sur où j'ai envie d'être, sur ce que les gens sont ou ne sont pas, et il n'y a aucun jugement là-dedans. C'est juste que du coup, je dirais que là j'ai vraiment pris conscience de la boussole que c'est, et que c'est un cadeau énorme, parce que je vais pas aller là parce que c'est tout lourd et contracté et que c'est ce que ça va créer. Je vais pas forcément baigner au milieu des gens qui sont pas une contribution pour moi. J'insiste, c'est sans jugement, c'est juste que c'est vraiment un cadeau dans la création de ma vie à moi. Et je voulais vous partager et vous inviter aussi à venir recevoir les barres, vous former aux barres, parce que c'est un cadeau vraiment magique. Très beau dimanche à vous.